Eh bien bonjour à tous, c'est Cross83 en compagnie de personne cette fois-ci. On va finir le design de notre objet en compagnie de Nevarax. Bonjour. Oh Dieu. T'as fait exprès? Oui. Oh merde, j'ai spawné dans la tour à map. Attends. Ah non, c'est bon. Bon, je reviens chercher mon stuff. D'accord, attends, je monte moi. Et donc du coup, je voulais vous dire un truc avant de commencer cet épisode. Déjà, c'est qu'on va terminer le design dans cet épisode et qu'en plus, y a quelqu'un qui a trouvé le design de ce que nous allons faire. Alors j'ai eu deux nouvelles personnes qui m'ont proposé des trucs. Donc Ratacrafter qui m'a proposé des lavabos, un lavabo, et Darkred64 qui m'a proposé des chiottes. Et donc la bonne réponse, vu que vous voyez ça, je suppose que vous savez que ce sont des chiottes. Bravo Darkred. Bravo, t'as bien deviné. Tu me diras, vu la gueule que ça a maintenant, c'est vrai qu'on peut deviner que ça c'est des chiottes. Mais bon. C'est vrai que maintenant ça ressemble peut-être un peu plus. Et donc du coup, j'ai pris un sacré stock de laine, il y a dans les coffres, si t'as besoin. Et du coup, j'attends Eldar pour suivre ses directives. Tu m'aplatis tout au même niveau que le truc. D'accord. C'est pas très français ce que j'ai dit. Enfin, si, mais... En gros, je t'aplatis tout à la hauteur du toit de la tour à mob. Non, à la hauteur du planche. Voilà quoi. C'est-à-dire à la hauteur de l'ombre là que t'as voulu faire avec la laine noire, c'est ça? Attends, j'arrive. Ah, parce qu'en fait, j'hésite entre deux hauteurs, enfin deux trucs quoi. Ouais, je vois. Pas faire de la merde, sinon ce serait la merde. Hop, alors les échelles. Un Evarak sauvage est en train de monter. Donc oui, dans le prochain épisode, les amis, soit il y aura l'Otari, ou soit je vous montrerai ce que j'ai fait, ce qui m'a pris un sacré bout de temps aujourd'hui. Voilà. Ah bon, t'as fait quelque chose? Oui, je leur montrerai au prochain épisode. À la hauteur de l'ombre, c'est ça? Non, parce que si on fait à la hauteur de l'ombre, on va plus la voir. Donc on va la faire juste en dessous. Le taré qui me demande de lui renvoyer le screen de Earthland. Ok, donc cette hauteur-là, d'accord. Parce que si on le fait là, comme là, après on va boucher là, la laine noire, on va plus la voir. Donc elle aura aucune utilité. Ouais, c'est vrai que c'est ok, ouais. Sur les côtés, après. Merde. Ouais, enfin, censé faire une ombre où on voit juste deux laines noires sur les côtés, c'est pas très... Ouais. Et c'est vrai que ce serait un peu con. Du coup, ça va nous prendre un bout de temps de remplir tout ça. Oui. Non, ça va vite quand même au final. Ouais, parce qu'on est deux, mais t'imagines tout seul? Faudra finir aussi, on n'a pas fini notre... l'arrière. Ouais. Façon le truc qu'on voit le moins sur le pixel art des chiottes, on le fera en off hein. Là on fera surtout le donc en l'occurrence on fera la lunette. C'est un truc qu'on voit particulièrement beaucoup au niveau des chiottes, donc je pense qu'on va le faire dans cet épisode et on vous montrera au final ce que ça donne. Donc après, j'ai aussi reçu un message YouTube donc me demandant d'optimiser tout le bordel de la tour à mob, le côté technique. Oui, ce sera fait, vous inquiétez pas, on y a chié, on avait pensé à faire un trieur, enfin, on avait pensé à faire pas mal de trucs, mais ça se fera un peu plus tard. Après cet épisode, ouais. On va se calmer un peu sur la tour à mob, et ce sera surtout, je pense, du design avec le taré ou un peu de visite de ce que j'ai trouvé. Hop. J'espère qu'on aura assez de laine. Normalement, ça devrait quand même aller. Parce que vu tout... Au pire, de toute façon, je pense pas qu'on va le finir dans cet épisode, donc... On est qu'à 5 minutes, hein, pour le moment. Oui, non, mais... Je dis...
mon avis, on finira pas entièrement dans cet épisode. Il y aura des finitions à faire sur le design, etc. Donc à mon avis, même s'il n'y a pas assez de laine, ça c'est pas grave, puisqu'on Après, il y a un double coffre rempli de laine blanche et un demi-double coffre, donc en gros, un coffre complet de laine noire. Donc, on a de quoi faire. Bon, par contre, je vous préviens, j'ai tué une trentaine de moutons parce que ça. Il y avait tellement d'entités que ça devenait, même sans tourner, je tournais à 30 fps, ça devenait. Ah, c'est bien très. 30 fps, c'est le truc quand je tourne, quoi. Donc, c'est un peu bof, quoi. Imagine quand je tourne la gueule que ça a, quoi. Ouais. Et donc pour répondre au message YouTube, oui, la tour à mob, on va optimiser, on comptait faire un trieur d'items, la tour à mob atterrisse dans plein de hoppers, mais on va faire que ça trie les items, ça va amener dans les coffres différents, mais. Et voilà, on peut pas tout faire, on peut pas faire optimisation, design. Bah surtout qu'on va pas enchaîner tout ça, parce qu'après ça c'est surtout du technique, du coup bah vu qu'on en a fait il y a pas si longtemps que ça. Je pense que changer un peu de. Mais bon, tu dis que là tu vas enchaîner après changer pour faire du design avec le pareil, mais là on fait du design. Ouais mais. Ah. Là je veux dire c'est du design pixel art, c'est un truc, t'as un objectif précis à la tête. La maison, c'est à tout moment, tu vois, ils peuvent nous conseiller ou des trucs du genre. Ouais. C'est vrai que pour les chiottes, ils peuvent nous conseiller, mais bon, ouais, c'est vrai. Non, mes chiottes sont magnifiques. Ouais, on verra. On verra une fois fini quand même. Bah pour l'instant, ça rend pas trop mal, je trouve. Effectivement, faire la cuvette, ce ne sera pas. Ce sera peut-être pas évident, peut-être falloir réfléchir un peu comment faire la cuvette, mais sinon pour l'instant. Mais il faut pas laisser un trou d'ailleurs, on est en train de tout remplir, mais il faudra pas laisser un trou. Exactly. C'est une bonne réponse. Oui, tu as tout à fait raison. Alors attends, le trou, taille du trou. Merde, ah, t'as tout à fait raison. Je sais, hein, j'ai toujours raison, moi. Enfin, je veux dire, une cuvette, s'il n'y a pas de trou, ça fait... Ah non, je suis d'accord, je sais pas, j'étais parti sur une cuvette fermée, mais il y a quand même un trou au final. Et ben voilà. Ouais, parce que je pensais à relever la lunette, quoi. Ouais. Pour que ça fasse toilette, enfin, pour qu'on voit bien le côté toilette. C'est vrai que là, on pourrait croire que c'est une boîte qui est pas fermée. Une boîte ouverte, ouais, ça fait bizarre comme ça, on verra. Hop. Ouais, mais ça se fait, y a pas encore. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Hop. Merde, il faut que j'aille chercher la laine blanche. Hop. Hop. On va casser à ce niveau-là. Oh là 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 là. Et donc je re-réponds parce que j'ai reçu un autre message qu'alors j'ai envoyé, j'ai mis un épisode hier le disant que Cross Adventure je donnerai pas la map tant que j'aurai pas fini la série. Pas la peine d'essayer de me soudoyer, hein. Ce sera pas possible. D'ailleurs je comprends pas pourquoi pourquoi tu, parce qu'en l'occurrence il y a une personne qui me l'a demandé récemment. Mais pourquoi tu l'as vu, je comprends pas. Ah merde, ça spawn mais sur le toit. Quel toit? Devant moi, quoi. Il se fout de ma gueule celui-là, il va crever, saleté de zombie. Crève. Voilà, pourquoi je suis en feu moi? Bah il t'a frappé. Hein? Il t'a frappé. Ah ouais? Et le fait qu'un zombie frappe, ça je prends feu maintenant. Bah vu que tu lui as mis feu. Maintenant oui. Ah bon? Ouais, c'est depuis une mise à jour assez récente. Ah, quand quelqu'un qui est en feu frappe, ok. Bah vu qu'il était en feu le zombie à cause de toi, bah il t'a refilé en gros ça mouise quoi. Ah mais j'ai compris.
Ah, il faut que je casse ici. Attends, attends, arrête de poser des blocs. Je suis en train de visualiser le trou. On va faire un truc symétrique, quoi, ce serait pas mal. C'est symétrique sur les côtés pour l'instant, si t'as peut-être bloc entre deux. Voilà. Laisse faire le pro de la cisaille. J'ai plus de torches. Maintenant. T'as plus de torches, j'en ai 6. Ouais, bah garde-les, t'inquiète. Alors maintenant ici il faut faire l'arrondi de devant. Ah je vois ce que... Ok ouais, je m'en occupe. Donc, je pense déjà vu la largeur des trucs qu'on peut déjà faire un bloc sur deux pour faire l'arrondi. Si tu vois ce que je veux dire. Un bloc sur deux, c'est-à-dire genre deux blocs d'épaisseur et un bloc de... Non, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Non, ça va peut-être faire violent quand même. Ça va pas faire un arrondi surtout. Deux blocs et là comme ça. Non, j'aurais plutôt vu un truc comme ça moi. Quoique non. Ouais. Après, vu que tes shots sont principalement carrés, il faut pas trop arrondir non plus. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Bon, on verra bien ce que ça a donné. Hein. Bon, moi, je vais le faire de l'autre côté. Tu le fais? Ah, ouais. Arrêtez, c'est parti. 1, 2, 2. T'as mis... 2, alors, tac, tac. 2. Attends, je me rappelle, j'ai peur de faire une connerie par rapport à ce que t'as fait, je vais aller voir. Ah, d'accord. Eldar mode faiseur de chiottes. Yeah, mais je foire. Shot maker. Ouais. Un boulot ça quand même. Chiotte maker. Hop, hop. Ah putain, tu le fais loin. Bah c'est, on va se rejoindre de toute façon. Ah c'est jusqu'à qu'on se rejoigne. Attends, je sais pas. On va faire un petite vidéo pour voir. Ouais, jusqu'à ce qu'on se rejoigne. Oh la vache, ça va faire long. Bah pour l'instant ça part plutôt bien. Bah le fais pas trop parce que si c'est pas symétrique... Bah, normalement il n'y a pas de raison que ce soit pas symétrique. Bah si, parce qu'à un moment donné tu as avancé plus que moi. Bon, on verra. Oh là, je sens que nos shots vont être bizarres. Mais non. Ah ouais, je t'attends un peu parce que t'es à la traîne. Que le petit Chronos il est à la traîne. Pas du tout. Je commençais juste après, c'est pour ça. On arrive bientôt au 100, donc ouais, non, on va bientôt se rejoindre. Allez. Ok, allez. Ok, on est à QD, on est... Oh putain, la vache, t'es sûr que c'est pas trop grand? Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal ton truc là. Petite vidéo. On va au pont.
Attends, je réfléchis comme si c'était une fois terminé. Il y a moyen de faire un arrondi un peu moins droit aussi. Réfléchissement. Tac-ta. Tac-ta. Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Je te fais confiance. Ouais. En fait, faudra juste le trou l'agrandir vers l'avant et ce sera parfait au niveau taille, etc. On sera voilà, ce sera cohérent. Voilà. Cherchez le mot. Yann, tu vois, on est bientôt rejoint là. Ouais, mais bon, ça fait quand même long pour des chiottes, hein. Putain. Ah, attends, et les gens, on dirait pas que ça sort de robot qui a des bras ici. Ouh là, le type parent. Non, franchement, on dirait que c'est un robot qui a des bras là. Où est le centre? Hein. Ah, mais si c'est pas pair, on est mal barré, hein. Oups, attends, peut-être qu'on m'appelle. Attends, je vais aller voir. Tac, tac, tac. Et en face, ok. Donc on attend Eldar. Eldar, on attend. Je continue son truc parce qu'il est chiant et long. Et là, c'est PR, c'est parfait. C'est GIGN qui m'inonde de blagues par SMS. Voilà. Pour compter, il faut que je me mette en game mode 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Attends, du genre qui t'appelait dans quel sens? 20, 21, 22, Je crois que 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34. Oui, non, mais c'est pair, je l'ai déjà fini au bout, hein. Est-ce que c'est bien au milieu? Est-ce que c'est au milieu? C'est quoi tes chiottes là? Ouh, je sais pas ce que t'es en train de nous faire. Ça fait un peu pointu, tu trouves pas? Ouais, mais on est dans Minecraft, hein, on fait ce qu'on peut. Bon, au pire les gens, on vous reprend une fois qu'on a fini les shots. Du coup, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Sous un beau lever de soleil, les chiottes de Chronos et Eldar ouvrent leurs portes. Wow, putain, trop stylé le design de la tour à meubles. Je suis trop fier. Ah, ça se troll la gueule. Oh. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Hein. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'on a fait, alors Tar s'est occupé de faire donc le petit bouton ici avec l'eau et tout pour faire genre. Bon, il a laissé les trous autour pour montrer qu'il y avait de l'eau quoi. Moi je me suis occupé de faire donc la cuvette et la lunette. Après avec Eldar on a rempli l'eau, on a rempli de laine noire ici pour faire en sorte qu'il y ait de l'eau parce que c'est vrai que sans eau ça faisait un peu terne. Sinon ça cassait les systèmes redstone en dessous donc Et oui. Et donc du coup on a aussi cassé le petit bout d'Eldar. C'est vrai que ça fait plus un peu plus gamin pour les chiottes Oh, mais. il y a des toilettes d'un enfant de 2 ans. Mais je trouve que ça fait plus classe. Imaginez ça avec un bout qui part à droite là actuellement, mais qui part quand même relativement loin. Ça faisait un peu bizarre. Bon après, c'est à voir. Si vous préférez le bout, n'hésitez pas à le dire. Hein, on le rajoutera s'il le faut. C'est que de la laine blanche, y a pas de problème. Ça nous a coûté tout notre stock de laine blanche. Et ça y est, putain, on y a passé du temps hein, sur ces chiottes, mais au final, sans en fait, je suis content. C'est vrai que tu disais au début, tu vois, quand on montait les premiers trucs, tu disais, ouais, j'appréhende et tout, et j'avoue qu'au final, franchement, ça rend vraiment bien, elles sont bien réalisées, quoi. On va faire. Pixel art fait par entièrement 100% par nous-mêmes, Ah ouais. et ben, je suis content, ça rend bien. Franchement, sans modèle, juste un modèle d'un truc qui existe en vrai, franchement, ouais, ça rend bien.
Ça rend bien, elles sont bien là, bien massives, bien au milieu de la carte. Et pour... elles coupent toute la tour à mob que du coup. Voilà, du coup en plus avec les dispensers et tout, ça fait avec les dispensers qui envoient de l'eau, ça fait exactement ça quoi. On tire la chasse et il y a tous les mobs qui se font chier dessus et je vais leur montrer, voilà. Je vais leur montrer hein, quand même les loots qu'il y a eu. Regardez, on n'a pas compris. Eldar a vu à peu près, on va dire en gros, 50 mobs tomber d'un coup. J'étais pas là malheureusement, mais j'aurais voulu voir. J'étais en game mode 3, je descends dans un tour à mobs. Et là, je vois des mobs partout à chaque étage. Mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Direct, les trucs qui s'actionnent avec l'eau. Alors, je me dépêche d'aller voir en bas et d'essayer de compter. Il y en a à peu près une cinquantaine qui sont tombés. C'était n'importe quoi. C'est... Et la session d'après, il y en a 40 autres qui sont tombés. C'était une grande n'importe quoi. Ah, maintenant, il y en a plus qui tombent. Quoi ? Il n'y en a plus qui tombent maintenant, mais franchement, ça a spawné d'un coup. On comprend pas le système de spawn. C'est encore flou. Je vous montre ce que ça fait d'en bas les chiottes. Attends, je vais me mettre relativement... enfin, au niveau des chevaux, pour voir ce qu'ils ont comme vue. Ah ouais, non mais franchement... même vu d'en bas et de loin, ça a quand même un peu, ça a quand même de la gueule. Vas-y, je me mets pareil au niveau des... De profil, ça a de la gueule, hein, quand tu regardes bien. Ouais. De chez toi, voilà, si tu fais... si tu fais une, je sais pas, dans ta maison, si tu la fais assez haute, si tu fais une tour avancée, enfin je sais pas, il y a moyen que de là-bas, tu vois. Ouais, mais du coup, je sais pas. C'est vraiment toilette pour enfants, par contre. Hein. Ouais, mais bon, ça, on s'en fout, ça reste des chiottes. Et donc, du coup, avant de vous quitter, je voulais vous montrer aussi le petit design du pont que j'avais fait il y a pas si longtemps que ça. Je me suis occupé à le faire le pont tranquillement pour qu'on puisse passer avec nos chevaux. Du coup, bah, on va rentrer avec Eldar, on va rentrer avec nos chevaux. J'arrive parce que j'ai pas vu le pont moi. Bah, on va prendre nos chevaux. Je vais aller chercher Zeus, tu vas prendre Aru. J'arrive. Hop, game mode 0. Viens ici mon petit. Attends, Aru. Je suis pas encore là. Donc les coffres, on les dépassera devant. On s'occupera du un peu du système technique un peu plus tard. On va faire une petite pause sur la tour à mob. Je pense que c'est pas... Ouais, on fera l'optimisation et tout plus tard. Oula, où est-ce que je pars en fait? Je pars pas dans le bon sens. Oula, freeze. Ok, c'est bon. On continue, on va ici. À mon rendu qui est fini, mais... le logiciel est quand même encore ouvert, du coup ça lag quand même encore un petit peu. Et donc voici le pont. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Je trouve que c'est sympa, bon, il y a mieux, mais... Eldar qui est visiblement en train d'éteindre son logiciel. Merde. Non, j'étais en train de... Parce que vu que j'avais du lag, j'étais en train de voir où était mon cheval, mais visiblement il a terminé dans l'eau. Oh oui, bon, c'est un petit pont sympa. Ouais, je fais un petit pont tout con, quoi. Youhou. Et donc, du coup, on va retourner... Ah, ça y est, je commence à avoir des drops de FPS. Oh mon dieu. Et bon, ça va encore se finir dans un arbre, ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc oui, les moutons ne vont plus durer longtemps ici, je vous préviens, parce que là, dites-vous qu'ils sont stackés entre eux. Attends, on va regarder pour voir. Là, je te vois en l'air avec les deux pattes de ton cheval avant. Il y a 129 moutons. 129 moutons. J'avais dit que j'allais manger un arbre. Pour ceux qui se demandent, il y a 129 moutons là-dedans. Je viens de le voir, c'était marqué 129 entités, là où je visais, du coup, bah, voilà. Alors du coup, Eldar, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voudrais comme familier avant qu'on se quitte? Un mouton. Non mais je veux dire, tu vas être représenté par quoi? GG, c'est un bébé zombie sur un poulet, toi tu peux être un mouton, un cheval, tu peux être n'importe ce... un pigman si tu veux même. Non, un mouton. Tu vas être représenté par un mouton? Bah c'est ceux qui ont servi à toute notre construction, donc ouais. Alors tu choisiras le mouton, on va aller chercher le name tag, la laisse. Je voulais au début un spider jockey, mais ça marche pas. Oui. Donc là je suis... Oh putain la vache. Oh wow. Putain, les moutons, va falloir que je les tue après. Hein. Oh, ça me faire du bien de les tuer. Donc, pour ceux qui demandent, je voulais un spider bloqué, mais c'est pas possible. Donc du coup, bah, vu que c'est les moutons qui nous ont servi à faire notre construction, je vais prendre le mouton. Donc choisis ton mouton. Prends-le, choisis-le bien.
Ah ouais, ramène ton cheval peut-être. Oui, si j'y arrive. Parce qu'avec les lags, c'est dur de... Ah ouais, non, mais moi aussi des lags, hein. Ouais, franchement, les drops de FPS, je sens que je vais faire un petit ménage dans ici, hein. Ouais, chez les Ouais, chez les moutons. moutons. Eh bah écoute, tu vas choisir ton mouton et on va le faire maintenant. Un mouton blanc, un mouton noir ou un mouton gris? Attends, j'arrive. Je prends le name tag et tu vas le re... Oh bah, je vais l'appeler Eldar. Hop, je descends, voilà. Quoi, faudra-t-il que je retrouve mes name tags? Barrez-vous, les moutons. Il y a même des vaches dedans. Bah, ça où mes name tags? What? Je comprends pas. Name tag, où êtes-vous? Je viens de buter du mouton là, parce que... Je rêve ou j'ai plus de name tag, c'est bizarre. Je vais prendre un mouton gris. Voilà. Comme le bouton pour presser les chiottes. Voilà. Alors, ça représentera ma tour à moi. La cuvette de chiottes. J'avais trois name tags et je les retrouve plus. Bah, en faisant, non? Ah non, ça se chope dans le nether, ça. Dans un peu tout. Bah, c'est bizarre, j'en avais trois. Ils sont peut-être au niveau de la tour à mob. Bon, parce que tu vas faire, c'est qu'on va le chercher avec Alès, vu que ça dispone pas de base. Je le renommerai plus tard. Et on va le foutre avec GIGN. J'arrive. En train de faire un génocide des moutons, là? J'en ai fait un, là je fais un génocide de poulet. Pourquoi de poulet? Parce qu'il y a trop d'entités alors. Non, tu pas les poulets, hein. Ça marche pas ton truc avec la lave. Vas-y, donne-moi le. En gros, le solaf, tu dois le poser. Non, c'est pas ici qu'il faut le poser. Tu dois le poser sur le verre là, ici là. Là où je regarde. Et tu le récupères vite. Oui, c'est ça. Bah, pose-le sur le verre. Ah oui. Ah oui. Waouh. Et tu fous le saut après. Oui, non, mais pas. Je vais chercher ton mouton. On va tuer. Ah, enfin, je fais un peu un génocide d'entité là pour ça. J'ai posé Aru, je suis sûr en train de se balader, je sais pas où. Bah, il est où Aru? Allez, je vais tuer tous les moutons, hein, j'ai plus aucune pitié. Ah, j'ai perdu Aru. Ah, il est là-bas. On va le chercher. Feu! Et Aru, t'en vas pas? Ouais, mais... Je commence à avoir plus de FPS. Ils sont où les trucs pour attacher les chevaux dans ta maison? Il faut le mettre. Non, tu devrais voir un truc de terre. Tu le mets là-dedans. Un truc de terre. Bah oui, tu devrais voir une sorte d'emplacement de terre. Non. C'est normal, t'es pas dans ma maison. Ah non, pas enfin, à côté, ouais. Bah là, je suis à l'abattoir, je vois rien. Mais c'est pas l'abattoir, c'est pas la maison, ça. Bah, c'est quoi la maison, alors? Bah, là, au début, où t'as commencé. Regarde, suis les chemins. T'appelles ça une maison? Oui, non, mais c'est un emplacement, quoi. Ah, mais c'est une maison. Un lit de bibliothèque et... Et il appelle ça une maison. Oui, bah, c'est là où la maison va être construite. Voilà. Bon, il est attaché. Ah bon, c'est là que tu as. Voici le mouton marron d'Eldar. Oui, gris. Non mais je sais pas pourquoi je dis marron. Moi non plus, je sais pas pourquoi tu dis marron. Parce que c'est marrant. Ah, attends. Il y a toi là. Allez, saute. Coucou. Ah putain, mais il veut pas sauter. C'est bon. Ah non. Attends. Allez, saute. Mais saute, espèce de con. C'est bon, ah attends, je vais l'attacher. Attention, je vais l'attacher. Oui. Je le renommerai dès que j'aurai des name tags. Bon, bah Eldar, merci pour la tour à mob. Rien. On peut continuer le génocide. Ah mais t'as tout laissé ouvert, t'as même plus aucun mouton. Ah non, mais ça m'a saoulé les moutons. Ah ouais, mais tu vas en avoir sûrement besoin pour ta maison ou autre. Non, il y aura... Je... Oh, t'inquiète pas pour ça. Pas les diminuer la population, pas l'exterminer. Et bête, il va plus avoir de laine. Bon, ça va, j'ai fait un stock de laine blanche et de laine noire. Bah non, on a tout utilisé. Ouais, non, mais vu que je viens d'en tuer là. Ouais.
Allez. Et arrête de Ok, j'en reste deux. Allez, viens. Ouais, rentre là-dedans. Putain, bah du coup les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, un gros aventure plus long, ça fait 30 minutes. Donc je vous dis à bientôt. C'est pas grave, c'était pour finaliser. Ah ouais, donc du coup on retrouve Eldar pour la partie technique de la tour à mob plus tard. Bye les amis. À plus tard donc, salut. Dis au revoir à ton mouton. Oui. Mouton. Avec GGN. Au revoir mouton. Je me demande ce que l'Otari va vouloir être comme familier quand même. Allez, à plus. Un poisson. Il va vouloir être un poisson. Un poule. Ah, ce serait marrant ça. Ah ouais. Allez, à plus. Ah, moi je vote pour cette idée. Faudra voir, je sais pas si... Les commentaires, mettez un plus 1 pour l'Otari. Ah ouais. Allez, à plus. Salut.